le groupe CDG a toujours accompagné le pays dans ses grands projets structurants. Il est l'un des acteurs importants, que ce soit sur le plan investissement, financement, mais également sur le plan opérationnel. Et évidemment, pour répondre à votre question, on parle de la transformation structurelle de l'économie nationale. Et donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire faire évoluer notre tissu productif d'un tissu traditionnel vers un tissu moderne, orienté export et qui pourra créer plus de valeur, plus d'emplois. Et donc là, il y a plusieurs actions que le groupe CDG a engagées d'abord par le passé, mais également pour l'avenir, notamment en matière d'accompagnement des opérateurs dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des métiers mondiaux. À l'instar de ce qu'elle a fait dans le secteur de l'automobile avec Renault et Peugeot, nous comptons également le faire dans le domaine de l'agro-industrie. L'agro-industrie est pour nous un secteur stratégique qui offre un potentiel très important. Avec le plan Maroc vert, le Maroc va augmenter sa production agricole les années à venir. Donc il faut anticiper cela par la mise en place d'une politique industrielle, c'est-à-dire dans le domaine de l'agro-industrie. Et l'avantage, c'est que cette activité va être ancrée dans le monde rural et donc va permettre de créer de l'emploi dans le monde rural et endiguer le phénomène d'exode rural. Et donc, dans ce cadre, le groupe CDG compte accompagner ses opérateurs, soit par un financement, un cofinancement, et également encourager les entreprises marocaines pour intégrer les écosystèmes industriels, notamment dans le secteur automobile et dans le secteur de l'aéronautique. Nous comptons également encourager l'entreprise marocaine, notamment la PMI, qui offre un potentiel de croissance importante en prenant même l'équité de ces entreprises pour renforcer leur assise financière et leur permettre de s'épanouir, d'améliorer leur chiffre d'affaires et par conséquent créer plus d'emplois. Comme également, comme vous le savez, nous avons lancé une initiative pour accompagner les start-up de 212 Founders. C'est une initiative qui permet tout simplement d'encourager les jeunes porteurs d'idées de projets, de les accompagner pour faire aboutir leurs projets dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres organisées par le groupe Caisse de dépôt et de gestion depuis 2019 à l'occasion de la célébration de 60 ans d'existence de la CDG. Mais il coïncide également avec un débat profond et large engagé à l'échelle nationale dans un but d'élaborer un nouveau modèle économique de développement du Maroc. Comme vous le savez, depuis les années 2000, le Maroc s'est engagé dans des grands projets structurants au niveau des politiques sectorielles, mais également au niveau de la réalisation des grandes infrastructures d'accueil et d'accès, pour ne citer que le canton Gemed, les zones d'activité économique, les autoroutes, les aéroports, etc., l'offshoring. Et donc, ces efforts, ils sont le fruit d'un effort important en termes d'investissement. Le taux d'investissement réalisé durant ces 20 dernières années dépasse les 31%. C'est l'un des taux les plus élevés si on compare avec les pays émergents. Mais en parallèle, nous constatons que le taux de croissance économique ne dépassera pas en moyenne 3,5%. Il est en deçà des taux de croissance réalisés par les pays qui ont réussi leur émergence. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi cette contradiction ? D'un côté, un effort d'investissement, d'un autre côté, le taux de croissance n'est pas au niveau souhaité. Et bien que le Maroc a consenti des efforts et avec une
politique volontariste sous la conduite éclairée de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, on n'a pas atteint l'objectif escompté en termes de création de valeur, en termes de création d'emplois, pour répondre aux aspirations de la jeunesse et en termes d'accès à l'emploi. Et donc le débat d'aujourd'hui, qui va être animé par des experts internationaux et des experts nationaux, va se pencher sur cette problématique pour expliquer cette contradiction, mais également pour réfléchir sur les actions concrètes à entreprendre pour favoriser la synergie entre les différentes politiques sectorielles et en même temps la coopération et la synergie entre les différents acteurs publics et privés. Et comment pousser l'entreprise nationale et le secteur privé, donc les entrepreneurs marocains dans le secteur privé, à contribuer activement dans cette transformation de l'économie nationale, bien sûr dans un objectif d'aller vers des métiers mondiaux orientés export qui est pour créer plus de valeur et plus d'emplois et par conséquent répondre aux aspirations de notre jeunesse. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.